Après, yo te fin découvri deux corps sans vie et carbonisés dans une localité qui relait Salmori, première section, Juanaria. La police menait une opération, gagne deux monde qui joignent arrestation yo. Deux monde ça yo joignent arrestation parce que yo impliqué dans mort ça yo. Yo impliqué dans assassinat ça yo. Et puis yo carbonisé. Yo joignent moun yo qui mourir carbonisé, yo mettait du feu sur yo. La police joignent nan nèg ça yo zam, bal. Et gagne une nèg ça yo qui c'est yon fédéral. Nous pral ba ou détail, nous pral raconte au bagay yo, mais avant même nous rentrer dans nan cause a, nous voyez gros big up pour. C'est comme ça, la police pas bouqué chercher, la police pas bouqué mener opération. Dans la commune Esch, yon localité qui est les Salmori, première section Juanaria, la police mené yon opération 7 décembre 2022. Opération ça, c'est suite à yon découverte qui était faite côté où te joint deux corps sans vie et carbonisés. Là yon fin joint corps ça yon, opération ça te tout lancé. La police joint deux monsieur ça yon pour yo arrêter. C'est Fedlin Etienne qui âgé de 35 ans et Confio Loli Boadoatli Boulgrenli nan bon créole Kenson Emmanuel âgé de 45 ans. Monsieur Sayo c'est moun que la police arrêté pour implication yo nan assassinat ça. Kebe de moun tuye yo et puis mette du feu sou yo, ça c'est une action criminelle. La police pas capable rete garder ça, opération a été lancée pressé. Eh bien, c'est dans moment ça, la police pral tomber sur monsieur Sayo. Dans moment arrestation monsieur Sayo, la police joine deux armes nan men yo. Deux armes de calibre 9 mm et 20 cartouches. Et yo joine nan men monsieur Sayo, la police saisi et côté monsieur Sayo t'a pral avec zam Sayo, côté yo t'a pral avec cartouche Sayo parce que non seulement yo gen zam nan men yo gen munition qui donc yo bien armé sur route là, quel que soit Sayo joine nan yo prend parce que mal fini pas joine poule, li prend paille. À noter que Fedlin Etienne c'est un récidiviste. Lè nou di ou ça, c'est un moun qui li même té nan prison déjà. Il était passé 9 mois dans prison son fédéral. Quel que soit temps ta faire au fédéral quand même, et bientôt ça, t'es passé 9 mois dans prison, et bien la gue journée jodi, il retourner dans action malhonnête. Est-ce que avant arrestation, c'était pour action malhonnête? Nous pas gagné information ça. Information que la police disposait sous Toro ça qui lui même pote dans Fedlin Etienne, lycée au monde qui fait prison déjà, il passé 9 mois déjà dans prison. Juge de paix dans juridiction hein, te gen tan vini pour vin faire constat légal cadavre. Pour l'instant Fedlin Etienne et Kenson Emmanuel yo placé en garde à vue en attendant res suivi judiciaire qui nécessaire sous dossier ça, parce que deux moun yo non seulement yo sans vie, yo retrouvé sans vie, yo carbonisé monsieur, yo touye moun yo et puis yo réglé causé pa yo ensemble avec moun yo dans localité ça. La police tombe sou moun sa yo et se mené opération pressé. Action criminelle sa passé Salmori, première section Juanaria, commune Inch, côté Inch qui li même son commune qui rempli ensemble avec ti localité. Et bien dans commune Inch, localité sa li rele Salmori, c'est là que monsieur Sayo fait action criminelle ça. C'est là yo retrouvé commun yo et la police té lancé opération pressé pour être capable joindre moun qui impliqué dans action malhonnête ça. Action malveillant ça, là yo rivé nan mené opération, yo joindre ces deux monsieur Sayo. Fedlin Etienne âgé de 35 ans avec l'autre Boadoatli avec collègue li qui c'est Emmanuel, Kenson Emmanuel qui gagne 45 l'année que la police arrêté. Yo joine zam, yo joine balle nan men yo. À l'âge moun sa yo, ou pral di, est-ce que moun sa yo pa ta doui a pran soin famille yo? Mais malheureusement, c'est nan action malhonnête que yo ye, peu importe discussion ta gagne ensemble avec un moun, ça pa ba ou droit.
ça pas ba ou droit pour rester la ville pour ça parce qu'on pas mettre la vie ou pas ka rester la vie moun nan comme ça. Mais monsieur ça yo réfléchi autrement, yo rete la vie moun yo et puis ensuite yo mette du feu sur yo. C'est comme ça la police joine monsieur ça yo dans la rue, la police kembe yo, la police joine zam nan men yo joine balle. C'est suite avec action criminelle ça. Et suite avec action criminelle ça que yo fin fait dans localité Salmori et puis yo même yo tap essayé aller pour yo chapper pour yo. La police a continué travail parce que yo pas jamais bouqué renouveler engagement yo face avec population. C'est comme ça la police menait opération ça, yo kembe de malveillants ça yo pour yo mettre au côté qui fait pour yo. Parmi de malveillants ça yo gagne yon fédéral. Fédéral là lui-même c'est Edlin d'un homme ça. Nom ça t'est déjà fait 9 mois prison déjà qui donc la police Kimberly juge de paix t'est retrouvé sur place pour venir faire constat légal. C'est comme ça yo kembe deux malfrats ça yo ou regarder sur écran là la police kembe yo n'a fait vie action malhonnête dans commune Inch côté y a marché tout le monde y a réglé causé yo et puis ensuite yo gagné zam nan men yo yo a sikilé avec zam yo à l'aise dans pour yo pour sikilé ensemble avec zam dans la rue. Ensuite, yo à l'aise pour yo faire crime tout côté. La police sollicite aide population parce que sans population, la police pas capable mener genre de opération ça yo qui donc la police mande population en pas s'y tirer. Depuis s'y tirer a gagné voler, mais s'y pas s'y tirer pas gagné voler, pas gagné malfaisant nan mitan nou. La police change tactique, la police change bagay yo, la police a continué travail, pas oublier en pile changement fait au sein de PNH là. Côté changement ça yo estime que changement ça yo a poté puis bon résultat toujours parce que policier yo en pile nan yo gagne bon dévouement en pile nan yo tient à ce que pour yo travail pour yo capable croper bandi dans population. La police la commune Inch a cherché bandi tout côté, y a cherché malfrat sans arrêt dans toute capitale ville province. La police renouvelé engagement yo parce que yo changé tactique, yo changé plan bataille, yo pas suspend chercher bandi tout côté. C'est comme ça, y a dit ou atayen piégé. Atayen piégé, veillez côté ou mettez pied ou zami. Si ou pas veillez côté ou mettez pied ou, eh bien c'est ou kawel parce que yo souvent dit si m'te connaît toujours derrière. La police là pour protéger et servir, mais c'est mettre ko qui veillez ko. La police menait opération ça nan Inch côté moun Inch bat bravo pour la police parce que crime ça c'est un crime qui pas capable rester impuni. Juge de paix est venu sous place, venu faire constat. Koyo et puis ensuite la police arrêté deux monsieur ça yo, yo joine cartouche nan mayo, 20 cartouches. Deux âmes nan mayo. Qui donc monsieur Sayo te gagné ti bagay lan mayo pou yo capable ravitailler yo sou route lan. C'est comme ça la police arrêté monsieur Sayo parmi yo yon fédéral qui lui-même te gagné passé 9 mois prison déjà qui te relâché mais malheureusement ta semblé ti en prison ça pas t'apprendre ni rien, li retourné de yo an mon cher, c'est action malveillant assez a réglé. C'est comme ça gagné un pile bandi qui gagne koyo nan pays an, qui lagé koyo nan l'air là. Eh bien la police mande nou fan pile prudence et yo di nou veye en haut, veye en bas, pa rete bouche fermée, an pa si tire, an pa tolere, comme ça pou nou capable joine pi bon résultat toujours. C'est comme ça pays a lui-même journée jeudi en pile bandi triboy pa bon pays gangsterisé à 100% majorité moun gagne zam nan mais yo côté yo joine zam ça personne pas capable répondre parce que chaque moun gon grand parent, chaque moun gon patron qui donc chaque moun gagne yon moun qui capable faciliter le joine zam gagne en pile moun qui joine zam qui joine bal gagne moun qui accessible envers yo même pour capable régler cause yo pour yo. Et c'est comme ça américain l'autre pays yo encore pas bouqué penser pour yo parce que journée jodi an la grand pile pression k'a fait sou moun k'a armé moun en Haïti yo dépôt armé dépôt financé bagay yo capable pas bien pour ou parce que américain pa kite ou comme ça ou fait c'est loué ou te manger proie faut bay pire a quand même quel que soit moun ki participer dans ça qui gen là dans action méchanceté qui a passé là dans pays d'Haïti côté moun a marché touye moun sans raison quel que soit ça que ta gagné moun nan wè ses amis pour raler pour tirer en l'autre ou même qui te facilité yon moun jwenn yon zam qui te facilité yon moun jwenn bal ou gagné pour payer ça parce que quel que soit moun ki nan konfyo lo avec bandi ou gagné sopa ou ki a tan nou. C'est comme ça
Haïti les mêmes jeunes jeudi hein, fragile parce que Haïti gangsterisé à 100%. Mais quoi qui veille corps rete veatif et la police a continué renouveler engagement face à population haïtienne là, dans façon y a mené opération yo, dans façon y a changé tactique, mouvement yo, comment yo même yo lancé yo non série de opération côté y a croppé bandi. Yo parlé de question secteur privé fait unité. Yo sorti en note. OK? Yo sorti en note comme quoi que secteur privé t'a entendu yo. Moi t'ai dit nous deux bagailles. Moi t'ai dit nous que secteur privé a divisé en deux groupes nèg. Gayon groupe qui c'est si au Libanais. Gon l'autre groupe qui c'est mulâtre. Et nèg mulâtre yo. Brésil a la congé. Donc nèg mulâtre yo, yo pensaient que yo supérieur et nèg si au Libanais yo. Yo pensé au supérieur nèg siro libanais yo. Est-ce que là deux groupes nèg mais gon groupe qui pi féroce en dans secteur privé ya qui c'est mulat yo parce que yo connaît que territoire yo connaît que colonie en c'est pour yo yo ka fait sa vle sa yo vle adan malgré Haïti son pays qui est indépendant donc même si c'est dans livoui. Mais nous étons pays indépendant, qu'on y a l'irrité pour nous bataille, pour nous prendre souveraineté nous. Comme ça doit. Maintenant, moi, je me sens étonné par exemple, le moi gen des moun qui a répété que secteur privé fait unité. Pour yo débloquer pays ya. Moi ri parce que moi ça a son cacachoal. Ça son remède choual. Et heureusement t'es gagné Tripide. Et heureusement t'es gagné Azayel, heureusement t'es gagné Maria Isabella Jérôme, Moutaoudja, DG Platel. Qui la King à la ganache, Bernique estimé, pour faire nous éclair dans la conjoncture politique nous y aujourd'hui. Ok? Dans la conjoncture politique nous y aujourd'hui. En avance. Yo parlé de secteur privé qui unifie li. Ma grande question que me pral poser. Si vous parlez de unité, c'est que t'es une division. Parce que le contraire de unité, c'est la division. Est-ce que secteur privé a t'es jamais divisé? Moun ki gen bon sens, moun kap réfléchi, moun kap analyse système nan racine ni. Ouais. Clair que parole sa yo c'est parole pour faire moun domi. Si oui, secteur privé est divisé. Et si oui, secteur privé est unifié. Dim ki le ou konnen secteur privé a on lete dans division. Nta reme par exemple. Nta reme dim ki le. Dim ki le. Ou j'aime tant des secteurs privés à te diviser. Parce que, contre division, on m'a garanti, li pa l'autre bagay ke union. Si n'pa divisé, nous uni. Si n'pa uni, nous divisé. Koulia, si yo di que yo uni, pou yo changer ça, chalmenol, ma grande question, dim ki le nous j'aime konnen secteur privé à te diviser. Ça, c'est. C'est une question que me posais et me pensais tout le monde qui a bon sens a aidé me répondre question ça. OK? Tout
monde qui a bon sens a ka aider m pour répondre question ça. Qui le nous jamais connaît secteur privé a été divisé. C'est ma grande question. Est-ce que là, c'est ma grande question. Maintenant, gagner quelques questions m'a laisser poser et analyse moi yo a chita sous lit. Et moi voulais que étudiant m'yo prenne note. Zazou Boy, Maria Isabella Jérôme, c'est coach moi. C'est coach moi et c'est un nan moun que moi toujours consulter dans cas d'émission mio ainsi que Robins Lusma nèg la kay moi qui vive dans Amérique du Sud moi toujours et le mère les monsieur tout à l'heure là m'a parlé à Robins Lusma il dit PDG j'ai l'impression c'est ou même seulement là m'a regarder qui comprendre dimension politique là. C'est ça Robins Lusma dit. Et son intellectuel. Robins Lusma, monsieur vit au Brésil. Son intellectuel. Son qui connaît lire en pile. Est-ce que là? Maintenant, et ces mêmes gens, par exemple, m'ont validé l'émission ça tout avec Maria Isabella Jérôme. Et l'homme gardé, compréhension Maria et compréhension Robins, c'est compréhension. Moi dit, ah, là, moi pour aller dans la bonne direction. Ça veut dire yo te divisé. Si oui, est-ce que c'est conscience que vous prend? Ça sont questions posées. Troisième question que me va poser. Est-ce que c'est un pote bourré yo peur qui fait que yo vini avec thème unité ça pour débloquer pays là sous base que yo te dans division. Est-ce que son pote bourré qui est au paix? L'autre question que nous allons laisser poser. Est-ce que son stratégie? Est-ce que son stratégie que il a utilisé pour système n'est capable de régénérer? C'est autour de ça yo nous allons faire analyse, non, mesdames, messieurs. À l'avancée. Maintenant, depuis des décennies, population haïtienne a subi en bas nek secteur privé et nek politique sa yo. Et nek secteur privé sa yo, yo gen de acquaintance directe avec international là et nek politique yo tout qui tourne des choul et reste avec. Yo gen de acquaintance directement avec international. Maintenant, nek sa yo il fut un temps yo pas gagné sa nourrile pouvoir politique. Yo te toujours gon pouvoir économique et avec pouvoir économique là, yo gérer pouvoir politique là. Mais attention. Gagné un mauvais exemple qui était tracé en 1990 avec Olivier Aristide, yo vin considéré son élément très dangereux, les gon classe moyenne, les gon nek qui sorti dans classe pour là, qui montait président, qui vin gon pouvoir politique, et le ça, pouvoir populaire là, li contraire avec désirata ou bien volonté nek secteur privé ou. Parce que quelque part, le pouvoir, son pouvoir populaire, c'est-à-dire, c'est le peuple qui est élu. Yon moun, le sa, yon vin pa ka gen contrôle pouvoir politique là. Le sa, yon vin senti yon très menacé sur le plan économique. Donc, et c'est yon nan bagay qui fait que Aristide pas capable de retourner au pouvoir en 1991. Sous aucune forme, Aristide pas capable de retourner au pouvoir. Parce que arriver Aristide au pouvoir, le contraire avec programme, avec vision, avec l'objectif de l'international et la bourgeoisie comprador corrompu ya.
Et c'est pour ça que yo déployé tout stratagème pour yo chavirer Aristide en 1991. Aristide tombé. Et depuis le ça, nèg yo vin gagner pouvoir politique là nan men yo. Depuis sous la tortue. Tendez bien oui? Depuis sous la tortue. Bon, pas de la tortue, depuis sous Préval par exemple, version 1. Pouvoir politique là vin nan men secteur privé. Mais comme Aristide là et Aristide monsieur Téchita son base populaire, Aristide Préval te ka peur pression populaire là. Li pat voye pouvoir bay secteur privé. Monsieur fin mandat là doucement et Aristide pral retourner au pouvoir en 2001 et la tortue pral vini, le la tortue vini en 2004. Le ça Préval pas de café en 1996 là dans premier mandat là. La tortue pral fait en 2004. Le ça c'est l'international là qui prend pouvoir. L'hypothèse directement by le secteur privé corrompu. Et qu'on y a Préval pour le retourner au pouvoir. Et d'ailleurs, yon nan gros coup que Haïti prend avec Préval, c'est que nous pas connait que Préval pat yon moun ki jen dans peuple. Préval c'était un anti peuple. Moutawodja, zanmi mou. Préval c'était un anti peuple et yo prend sous base que c'est question jumeau pour Aristide tourner la trier. Pourtant Préval pas dans question Aristide, Préval t'a pas gérer secteur privé. Et le Préval vini vrai, le prend pouvoir. Donc en 2006, ou après nèg secteur privé au paraît tête yo clair pour qui ça, parce que madame Préval qui c'est Elisabeth Préval lui-même tout lui fait partie de groupe de Boudon et c'est Elisabeth Préval qui t'a dirigé le pouvoir. C'est pas Préval. Préval tenait que un figurant, mais c'est Elisabeth Préval qui t'a passé l'audio pouvoir retourner à jouer secteur privé. Et c'est ça qui fait tout le pouvoir à jouer secteur privé. Il fait l'affaire de l'international qui gagne Haïti tout nan livio en termes d'instabilité. Donc élection pral fait par exemple en 2010. Donc yo pral forcer Haïti boy Michel Martelly. Donc avec Préval, donc et Lambert et intérieur au pont, donc Elisabeth Préval, donc le Sahara, secteur privé a pral bien chita konnyea. Parce que pouvoir après le retourner vers la mafia économique à travers justement donc Martelly nego bien chita. Or yo gon pouvoir politique et yo gon pouvoir économique. Yo gon pouvoir politique, yo gen pouvoir économique là. C'est yo qui nomme président, yo nomme député, sénateur, magistrat, kazek, c'est yo pouvoir nan mais yo. Et yo gagne le bras de l'international qui l'a avec yo comme couverture pour yo agir. Voilà. Et c'est une raison qui fait que c'est eux même qui gagne marché ya. C'est yo qui gagne marché ya. Parce que le plan néolibéral là c'était pour te dépatcher Haïti sur le plan économique. Dépatcher Haïti même en général sous plan production et puis rendre Haïti dépendant et plan marché. Et ouais, premier essai négo fait négo touye cochon créole. Et le négo touche touye cochon créole, ça a passé comme une lettre à la poste. Négo dit si c'est comme ça, on nous avance programme nan vers du riz, nèg yo détruit production du riz. Et nèg yo voyait vente pays ya bay l'international là. Est-ce qu'on là? Yo voyait pays ya bay donc l'Occident cap gérer politique là pour yo et yo même y a géré tout
économique là, est-ce qu'on l'a clair? Qu'on y a avancé. Maintenant, ça qui passe là, c'est que nèg yo yo vin trouver un outil soulier. Secteur privé. Secteur privé vin trouver un outil soulier. Et m'pral dou ki sa nèg yo peur. Nèg yo peur on seul grand bagaille. Nèg yo pour premier coup sous Jovenel 6-7 juillet. Attendez bien, mesdames, messieurs. Ça fait moins moins dit que c'est pas tête ou autre qui a comprendre ça qui a parlé là. Nèg yo pour premier coup sous Jovenel 6-7 juillet. Nèg yo pour deuxième coup. Et m'kwè sou Ariel là. Secteur privé a frappé en pile. Et sous Jovenel, yo frappé en pile. Maintenant, nèg yo suspect. Y a goumé pour un troisième pote bourré. Et qui capable pour yo. Parce que et m'pral dou raison qui fait ouais nèg yo, yo agi vite comme ça. Yo anticipé quoi. D'ailleurs, population haïtienne attend après deuxième semaine mois de janvier pour yo te font porter bourré sur Ariel et secteur privé a. Parce que Ariel gen yon vision en tête. L'international là gon vision en tête. Mais comme économie en chita sous deux secteurs privés, c'est yo gen moyen, yo gen banque, yo gen magasin, c'est yo gen maison machine, yo gen factory, yo gen ceci ou cela. Nèg yo di si gon porte bourré, y a victime. OK? Y a victime. Pour qui ça? L'international là coincé. Parce que Haïti rete en termes de défi sur le plan politique pour international là dans renouvellement système là sous quelle que soit base là système là pas ka renouveler et yo konnen nèg yo yo font réflexion nèg yo font réflexion international là fait une réflexion. Secteur privé fait une réflexion. Comme gang yo, yo dépendant de système. Et wapwe, gen trois actions faites de manière simultanée. Et tous les trois actions sa yo, yo coïncidé sur le plan politique le nous analyser contexte là. Qui ça lié? Premier élément, sanction. Contre des nègres dans le secteur privé et des nègres qui dans politique. Pendant ce temps, Ariel Henry pas sanctionné. Et pendant ce temps, Ariel Henry t'a doué un monde qui sanctionné. Monsieur pas sanctionné. Deuxième bagaille. Comme secteur privé, yo se source économique gang yo, ainsi que nèg dans l'état tout. Guillaume bagaille kap pale là en bas qui c'est amnistie générale. Gon bagaille kap pale en bas qui c'est amnistie générale. Grâce pour tout le monde. Qu'on y a, nèg secteur privé, passe l'ordre avec Tiriste avec yo, en Jila Bim salye yo, yo mande yo pour yo faire on la paix. Mais on la paix conditionné sous base de retour ou moun ki nan prison yo pral libéré.
Et troisième bagay, secteur privé fait rencontre, yo soti note, yo unifié yo. Ça son jeu psychologique. Qu'on y a, ou même faut une capacité pour aller découvrir, pour aller dire, est-ce que next secteur privé yo, t'es dans division qui fait yo parler de unité. Quelque part, sanction à prendre au niveau international contre secteur privé et nèg l'État. Secteur privé, yo même tout yo coincé parce que renouvellement système nan a bon pour yo, mais yo coincé. Et l'autre bagay, pote bourré, pas bon pour yo. Comme yo connaît, élection pour renouveler système nan, ka paraît extrêmement difficile. Quel que soit pote bourré qui fait l'en général, y a victime. Yo dit,